Le Sénat de Côte d'Ivoire s'est réuni ce lundi pour l'adoption de son ordre du jour des travaux pour la période du 27 avril au 21 juin 2020. En plus des activités parlementaires de cette première période, quatre séances d'information, toutes en rapport avec la situation de crise sanitaire liée au COVID-19, vont se tenir. En effet, le Sénat va recevoir successivement le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ces séances d'information seront l'occasion pour les sénateurs de faire des propositions pour la lutte contre la pandémie du COVID-19. Notons que ce sont 24 projets de loi qui vont être examinés par les sénateurs au cours de ces travaux.